Dans l'actualité de ce dimanche, comment faire face aux accidents, incendies, inondations et autres sinistres? Le pays dispose-t-il de plans d'urgence de secours adaptés? Comment prévenir ces sinistres? Réponse à toutes ces questions dans ce 13h. Dans quelles conditions vivent ici les Ivoiriens de Centrafrique, dernièrement rapatriés par l'État de Côte d'Ivoire? Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant est allé leur rendre visite et recenser leurs préoccupations afin de faciliter leur insertion. Au Bangladesh, les élections législatives se déroulent aujourd'hui dans un climat de haute tension. Une centaine de personnes a déjà été tuées lors des campagnes. Le principal parti d'opposition boycotte le scrutin. Je vous le disais, accidents, inondations, incendies et autres sinistres surviennent régulièrement dans le pays et les réponses ne sont pas toujours adaptées. Quelles solutions pour arriver à gérer au mieux ces situations d'urgence? Comment mettre en place un plan national d'urgence de secours? Monsieur Montmichel, psychologue, président d'ONG dans le domaine de la sécurité civile, est avec nous pour répondre à ces questions et ce sera tout à l'heure dans le magazine du dimanche. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce point de l'actualité. 72 milliards de francs CFA engagés par l'État pour un plan de développement communautaire post-crise. Il est principalement question d'améliorer les conditions de vie des populations dans les zones villageoises et périurbaines. Ce fonds va être géré par le Programme national de développement communautaire. Mamadou Kouassi. Les effets des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire se font toujours sentir, surtout dans les zones rurales. Cela s'explique par le déficit en infrastructures sociales à gestion communautaire et la baisse du niveau de vie des populations. Pour répondre à toutes ces préoccupations, le gouvernement a mis sur pied depuis 2012 le Programme national de développement communautaire, PNDC. Le président de la République met à la disposition de ce programme la somme de 112 milliards de francs CFA pour une période de 4 ans, en vue d'améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement les couches les plus vulnérables, à savoir les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. Selon le docteur Messan Fulgence, coordinateur du PNDC, sa structure a pour mission essentielle de promouvoir les activités génératrices de revenus en vue de favoriser l'intégration socio-économique des groupes vulnérables. Il s'agit principalement au nom de développer des projets de lutte contre la pauvreté, de création d'activités génératrices de revenus et de développement des infrastructures dans les zones qui ont été affectées par la crise, mais aussi des zones qui souffrent énormément de la pauvreté. Il s'agit également pour le Programme national de développement communautaire d'améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base de qualité, à savoir l'eau potable, l'école, la santé, le logement, les infrastructures routières. Pour entamer ce programme, l'Ouest ivoirien, zone sinistrée du fait des conflits, bénéficie de 14 milliards de francs CFA. Pour garantir une bonne gestion de ces fonds, un comité de pilotage a été installé. Fort de 18 membres issus des différents ministères techniques, ce comité a pour mission d'assurer une bonne exécution du programme en vue du bien-être des populations ivoiriennes. Et puis les Ivoiriens vivant en Centrafrique, dernièrement rapatriés par l'État de Côte d'Ivoire, ont été installés dans des centres d'accueil à Ndotré et à Azagué. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant leur a rendu visite. Il est principalement question de recenser leurs préoccupations afin de faciliter leur insertion dans le pays. Maïsako. Arrivés en Côte d'Ivoire depuis quelques jours, 250 Ivoiriens venus de la Centrafrique ont été répartis entre le centre d'accueil et de transit l'Oasis de l'Éternel à Ndotré et l'Institut des nouvelles techniques agricoles situé à 5 km d'Azagué. Un hébergement rendu possible par les efforts de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité. De Ndotré à Azagué, ces réfugiés aspirent tous à une bonne insertion socio-professionnelle en Côte d'Ivoire, leur pays d'origine. Je suis partie à Centrafrique, mes affaires marchaient bien. Mais avec la situation là, les balles perdues, vraiment, c'était chaud. Ça n'allait même pas. On remercie le président. On remercie le président s'il peut faire quelque chose pour nous. On a tout perdu. On a fait les universités. Beaucoup des enfants sont restés seulement comme ça. C'est ça que nous voulons que et les gouvernements ivoiriens nous aident à nous faire rattraper tout ce temps qu'on a perdu. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oulouto, dit avoir pris en compte les préoccupations des Ivoiriens rapatriés. Mais avant toute action du gouvernement, chacun de ces réfugiés devra trouver un point de chute. Il appartiendra au gouvernement de se pencher sur les différentes préoccupations que nous avons pu recueillir ça et là de ces populations qui, dans une bonne majorité, n'ont pas vraiment de traces précises de leurs familles respectives.
je crois qu'il sera facile de retrouver donc ces familles-là. Le plus important, c'est de faire en sorte que les sites soient libérés rapidement. Ce sont des sites de transit et ces Ivoiriens doivent vivre dans leurs familles respectives. Une fois que les réfugiés auront regagné leur famille, le ministère de la Solidarité s'attellera à faire des propositions au prochain conseil de gouvernement et de ministres en vue de l'adoption d'une démarche à suivre pour l'insertion de ces rapatriés. Bilan positif des festivités qui ont marqué la fin de l'année 2013. Sur le plan sécuritaire, les grands moyens ont été déployés pour garantir aux populations un bon passage de 2013 à 2014. Abou Sanogo. En vue d'offrir aux Ivoiriens des fêtes de fin d'année agréables, paisibles et sécurisées, 7000 hommes de tous les corps des forces de défense et de sécurité ont été déployés dans le district d'Abidjan. Pour ces fêtes, les forces de l'ordre ont fermé les principales voies d'accès du plateau aux véhicules. Une barrière métallique de protection était dressée devant le stade Félix Houphouët-Boigny. Des postes avancés de secours pour s'occuper des éventuels blessés ont été également déployés. Gendarmes, policiers, forces républicaines de Côte d'Ivoire et centres de commandement des décisions opérationnelles ont cadré la ville d'Abidjan. En patrouille ou stationnés dans les endroits stratégiques, les soldats étaient présents. Les policiers chargés de la régulation de la circulation au Grand Carrefour ont accompli leur mission. Tard dans la nuit, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, en vue de se rendre compte du suivi des instructions sécuritaires données, s'est d'abord rendu à la préfecture de police, notamment au poste de commandement radio, pour lancer un message d'encouragement à ses hommes et leur présenter les vœux du nouvel an comme l'exige la tradition. Ahmed Bakayoko s'est ensuite rendu à la préfecture d'Abidjan où est installé le poste de commandement opérationnel des secours. Cette visite de supervision s'est achevée au centre de commandement des décisions opérationnelles CCDO où Ahmed Bakayoko a apprécié par lui-même les mouvements de foule à travers les caméras stratégiquement installées dans la ville. Le dispositif sécuritaire a bien fonctionné et aucun incident majeur n'a été signalé au cours de cette nuit de la Saint-Sylvestre. Direction Soubré, le conseil régional de la Nawa a fait des dons aux enfants des quartiers défavorisés de plusieurs localités. Ces enfants ont ainsi pu entamer cette année 2014 avec le sourire. Thérèse Tapeyoboué. Soubré, Meagui, Geyo et Buyo sont les localités qui ont reçu la visite des responsables du conseil régional de la Nawa dans le cadre de leur politique sociale en cette fin d'année. Il s'est agi de contribuer au bonheur des enfants de la région en leur offrant des cadeaux. Ainsi, à Soubré, ce sont plus de 300 enfants, des orphelins, des enfants méritants et ceux des quartiers défavorisés qui ont reçu des cadeaux du conseil régional. La présente cérémonie est donc la célébration de ce qui incarne notre avenir, qui guide nos actes et actions, qui inspire nos comportements, c'est-à-dire nos enfants. Le geste d'Alain Richard Donvahy a été salué par la représentante de l'orphelinat Sainte-Marie de Soubré. Et pour terminer l'année en beauté, le président du conseil régional de la Nawa a décidé d'offrir à sa population pour la première fois un feu d'artifice. L'espace Donvahy à Soubré a servi de cadre à cette cérémonie. La population a pu donc vivre de près ce feu d'artifice qui fut tout simplement beau. 3000 tables bons distribuées aux écoles publiques dans le Tongpi. Ce geste du conseil régional vient soulager les élèves de la région en leur offrant ainsi de meilleures conditions de travail. Mamadou Kouassi. Le président de la République, lors de sa visite d'État dans la région du Tongpi, a offert plusieurs matériels aux acteurs du système éducatif de cette région. Malgré ses efforts, le déficit en tables bons est important. Cela du fait de la crise qu'a connue l'Ouest ivoirien. Aujourd'hui, il s'agit pour le conseil régional d'améliorer les conditions de travail des élèves du primaire et ceux du secondaire. La collectivité territoriale offre 3000 tables bancs aux écoles de la région. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, parrain de la cérémonie et par ailleurs fils de la région, annonce des initiatives du gouvernement en faveur de cette région. Le président de la République a pris la décision de doter notre région des moyens pour l'instruction des enfants. L'université, je le confirme, va ouvrir à la rentrée 2014-2015. Les travaux vont démarrer incessamment. Je voudrais également dire que Madame la ministre nous a promis de faire en sorte que nous puissions avoir un lycée technique ici et peut-être un lycée technique des jeunes filles.
Notre ambition, c'est de faire de la région du Tonkoui la première région en matière d'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Il invite donc les élèves à la culture de l'excellence afin de contribuer dans le futur au développement de la Côte d'Ivoire en général, mais de l'Ouest ivoirien en particulier. Les responsables de l'école dans la région du Tonkoui et les élèves premiers bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Le président du conseil régional du Tonkoui, Wayou Mela, soutient qu'après le secteur éducatif, d'autres secteurs se verront soulagés en vue d'améliorer les conditions de vie de ses administrés. Quittons les écoles pour les plantations. Une journée du planteur a été initiée à Beaunois afin de récompenser les meilleurs planteurs. Ces planteurs se sont à leur tour engagés à appliquer les conseils des agents agricoles. Ils veulent ainsi booster le rendement et le développement socio-économique de Beaunois. Herman Niamia. Beaunois doit être cité parmi les régions qui contribuent fortement à accroître le rendement agricole de la Côte d'Ivoire. C'est l'engagement des planteurs de la localité. Ils l'ont exprimé à cette journée du planteur, journée initiée pour récompenser les meilleurs d'entre eux. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour les initiateurs d'informer et de former les populations aux nouvelles techniques culturelles. Des techniques qui, si elles sont mises en œuvre, permettront aux populations de cultiver sur de petites parcelles tout en récoltant de grandes quantités de produits agricoles. Cette technique consiste à utiliser les produits phytosanitaires comme les insecticides et les herbicides et aussi les engrais. Pour mieux les encadrer et atteindre leurs objectifs, un centre a été ouvert à Beaunois. Ce centre permettra aux planteurs et coopératifs de disposer d'un local pour s'équiper en produits phytosanitaires. Parlons religion, 35 pasteurs ressortent diplômés de l'Institut biblique et technologique Afrique de Yamoussoukro. Ils ont reçu leur diplôme de révérends venus spécialement du Nigeria et des États-Unis. Thérèse Tapé-Yoboué. Ils étaient 35 pasteurs à être ordonnés et à recevoir leur diplôme de fin de cycle. Ces 35 pasteurs ont été formés à l'Institut biblique et technologique Vision Afrique de Yamoussoukro. J'ai ressenti l'appel d'être formé, pas parce que je suis sur une mission, non, j'avais besoin d'être formé, j'avais soif de formation et Dieu m'a permis de m'inscrire à l'IPTVA. Je vous donne ceci, que l'instruction est pour tous, que tu sois analphabète ou instruit, il n'y a pas d'analphabète devant Dieu parce qu'il est le Dieu de toutes les langues. Alléluia. Plus de 3000 invités sont venus de Soubré, San Pedro, Abidjan, Boaké pour assister à la cérémonie qui a enregistré également la présence du révérend Bola venu du Nigeria. Au nom des missionnaires, Marie-France Schultz, venue d'Italie. Cette cérémonie de remise de diplôme était placée sous le sceau de la paix, du pardon et de la réconciliation. À ses futurs pasteurs, la missionnaire Marie-France Schultz a demandé la foi inébranlable en Jésus-Christ, le sérieux et l'amour du prochain. Les chantres unis de Yamoussoukro ont assuré l'animation musicale de cette cérémonie. Le village de Nikissaf, dans la région de Dabou, célèbre un de ses fils élevé au rang de messager du prophète Papa Nouveau. La prière, la paix et le pardon ont guidé cette célébration. Thérèse Tapé-Yoboué. Mboy Lekre Djo Théodore est le messager du prophète Papa Nouveau. Il a été élevé au rang de messager de Papa Nouveau depuis 3 ans. L'événement vient d'être célébré à Nigissaf, village dans la région de Dabou, au cours d'une messe. Le président du conseil régional du Lot-Gibois, Zakwa Komena, a assisté à cette célébration, ainsi que de milliers de fidèles de l'église Papa Nouveau, venus de Tukuzu aux Alem, Diateke, de Dabou, d'Abidjan. Au cours de la messe qu'il a célébrée, le messager de Papa Nouveau a remercié le Seigneur pour l'avoir choisi. Il a invité le peuple de Dieu à garder la substance de la foi aux enseignements reçus du prophète Papa Nouveau. Paix, prière, travail. La cérémonie s'est déroulée en présence du docteur Albert Pité, fils du village et de plusieurs hauts cadres de la religion Papa Nouveau. Le président du conseil régional du Lot-Gibois a salué la grandeur et l'importance de l'œuvre du prophète Papa Nouveau dans le développement économique, social et spirituel de la Côte d'Ivoire. Il a invité les fidèles à protéger et pérenniser cette œuvre. Cette fête a pris fin à la place des arts du village avec la prestation des groupes Nigissaf Cadence
et de Tchotnam de Tukuzu aux Alènes. L'église Patmos a désormais son siège mondial ici en Côte d'Ivoire. L'édifice religieux est situé en plein cœur de la forêt dans la sous-préfecture de Dakpadou. C'est à Sassandra. Mamadou Kouassi nous y conduit. Godekro, un campement baoulé de la sous-préfecture de Dakpadou dans le département de Sassandra, est devenu célèbre dans la région pour être le siège mondial de l'église évangélique Patmos. Ce siège, un joyau architectural qui contraste avec l'environnement dans lequel il est construit. Cette bâtisse a une capacité d'accueil de 2500 places et une résidence de la prophétesse. Plus de 5000 fidèles venus des paroisses de Sassandra, Soubré, Yamsoko, Abidjan ainsi que d'Europe sont mobilisés pour célébrer l'œuvre glorieuse de Dieu. Le préfet de la région de Boaklé, Bonny Kofi Ernest, ainsi que Philippe Lécré, président du conseil régional, se disent fiers et honorés de voir leur région abriter un tel chef-d'œuvre architectural. Dieu a fait son œuvre. Dieu est dans sa toute-puissance. Eh bien, a choisi la région du Boaklé et a choisi le village de Godekro. Je dis merci à Dieu pour sa présence permanente dans notre région. À la tête de l'église mondiale Patmos, une dame, Yao Aya Naomi, plus connue sous le nom de prophétesse Naomi. C'est depuis 1976 qu'elle et son époux, venus cultiver le cacao, sont établis à la lisière de la forêt classée de Niekré, non loin du village de Niapidou. Les prières de délivrance et les miracles accomplis par elle la rendent célèbre. Depuis le début de son œuvre évangélique en 1976, des personnalités de tous les domaines de la vie vont régulièrement recevoir les bénédictions de la prophétesse Naomi à Godekro. Réconciliation nationale, cohésion sociale et paix en Côte d'Ivoire, quelle stratégie pour les ressortissants de la CEDEAO? L'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO a planché sur la question, l'objectif étant de promouvoir l'intégration africaine et de contribuer également au processus de réconciliation nationale. Abou Sanogo. Promouvoir l'intégration africaine, tel est le but de cette rencontre de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO, UREM-CEDEAO. Cette union entend contribuer au processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et pour cette cérémonie, les ressortissants des communautés des 15 États membres de la CEDEAO se sont mobilisés, comme ils l'ont fait en novembre 2013 dans la région de Gbeke, lors de la visite du président de la République Alassane Ouattara. Ils l'ont signifié à la place Inch'Allah de Kumasi, à l'occasion de leur première activité de l'an 2014. L'URM-CEDEAO se veut une institution sous-régionale de soutien à la CEDEAO. Tous les États ont pris conscience de ce que doit être réellement la CEDEAO, qui est la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est le plus important. Selon son président, cette union a pour mission de rassembler et de soutenir les communautés ouest-africaines à l'instar des consulats. Ce ne sont pas les Ivoiriens seulement qui doivent faire le pas. Les Ivoiriens, entre eux, doivent déjà taire certaines choses. Les communautés, entre elles également. Ensuite, entre les Ivoiriens et les communautés, nous souhaiterions que vraiment l'amour règne. Initiative saluée par le député de Kumasi. Il était vraiment important que nous soyons là pour créer la cohésion entre ces communautés afin que l'intégration régionale soit une réalité. Réconciliation nationale, cohésion sociale et paix en Côte d'Ivoire. Quelle stratégie pour l'URM-CEDEAO? Thème de cette cérémonie qui a vu la participation de plusieurs consuls et têtes couronnées. Des caravanes de sensibilisation à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et à la paix et l'implantation de sous-sections sur l'ensemble du territoire font partie des actions menées par l'URM-CEDEAO pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la recherche d'une paix durable. Hors de nos frontières, après 3 jours de discussions informelles, les négociations directes sur un cessez-le-feu au Soudan du Sud vont pouvoir démarrer. C'est ce dimanche à Addis Abeba. Un premier face-à-face avait déjà eu lieu hier entre les délégations du représentant des partisans du président Salva Kiir et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar. Pendant ce temps, sur le terrain, les tensions sont loin de s'apaiser. C'est dans cet hôtel d'Addis Abeba que devaient s'ouvrir ce samedi les premières négociations directes entre les frères ennemis du Soudan du Sud. D'un côté, le camp du président Salva Kiir, de l'autre, celui de l'ex-vice-président Riek Machar. Les délégations sont là, les représentants des pays de la région aussi. On s'active en coulisses, mais finalement, la nouvelle tombe. Le face-à-face est reporté à une date indéterminée. Les deux délégations veulent d'abord se mettre d'accord sur le programme de ces négociations.
Une annonce qui douche les espoirs d'un cessez-le-feu rapide. Et ce, alors que sur le terrain, le pays semble plus que jamais au bord de la guerre civile. Les combats se poursuivent autour de la ville de Bor, à 200 km au nord de la capitale, jetant des milliers de réfugiés sur les routes. Ils brûlent les maisons. Ils tirent aussi sur la population pendant les combats. Ma mère a été touchée, elle a une jambe broyée. Signe de l'inquiétude grandissante, les États-Unis ont appelé tous leurs ressortissants à quitter le pays. En Éthiopie, le début des négociations a été annoncé pour ce dimanche. L'actualité sur le reste du continent, en bref et en images. Premier point, l'Égypte, toujours en proie aux affrontements meurtriers entre manifestants pro-Morsi et policiers fidèles au régime militaire au pouvoir. En Égypte, des milliers de manifestants islamistes ont défilé à travers tout le pays. Les nouveaux affrontements ont fait 11 morts, où les frères musulmans bravent toujours les autorités militaires. Des heurts ont eu lieu en marge des manifestations de soutien à Mohamed Morsi, le président destitué en juillet dernier, des heurts auxquels ont pris part des civils opposés au courant islamiste. L'Assemblée constituante tunisienne a entamé le vote destiné à adopter la future constitution qui doit aboutir avant le 14 janvier. Les députés ont adopté samedi les deux premiers articles de la constitution, rejetant l'islam comme source de droit. L'Assemblée doit ensuite se pencher sur les amendements. Ce texte devra aussi permettre à la Tunisie de sortir d'une profonde crise politique entre modérés et islamistes. En République du Congo, députés de la majorité et de l'opposition unis pour rendre un hommage au colonel Mamadou Moustapha Ndala, tué dans une embuscade dans l'est du pays par des présumés rebelles ougandais. Son rôle de premier rang sur la victoire de nos FRDC sur les M23 ne soit la cause de sa mort, je crains. Il est tout à fait clair que l'Ouganda et le Rwanda peuvent être derrière cette agression, d'autant plus que Mamadou a réussi à déloger les ZDF Nalu de Kamango. Et donc une vengeance sur sa personne pouvait être prévisible avec l'objectif de démoraliser nos troupes. Le colonel Mamadou Moustapha Ndala avait remporté la victoire sur la rébellion du M23 qui a capitulé en novembre dernier. Les Bangladais sont appelés aux urnes aujourd'hui dimanche. Ces élections législatives se déroulent dans un climat d'insécurité et de haut risque. Au terme d'une campagne marquée par des violences avec plus de 100 morts, le parti nationaliste du Bangladesh, parti principal d'opposition, boycotte le scrutin. La première ministre Sheikh Hasina Wajed est donc assurée d'être reconduite. Les candidats de son parti, la Ligue Awani et ses alliés se présentent sans concurrence dans 153 circonscriptions sur 300 au total. Bagdad passe à l'offensive. L'armée irakienne tente de reprendre le contrôle de la province d'Anbar, tombée en partie aux mains d'islamistes et de certaines tribus sunnites. De violents combats ont lieu depuis hier contre des combattants d'Al-Qaïda. La tension reste très vive dans la province irakienne d'Al-Anbar, bastion sunnite hostile au premier ministre chiite Maliki. Vendredi, au moins 32 civils et 72 combattants d'Al-Qaïda ont été tués à Ramadi, le chef-lieu de la province. Les affrontements ont opposé le réseau extrémiste sunnite, des tribus locales et les forces de sécurité. Selon la police, la ville était samedi en partie sous contrôle, mais des combattants d'Al-Qaïda se trouvaient encore dans Ramadi. L'armée irakienne a par ailleurs pilonné samedi Fallujah pour en déloger les insurgés. Nouveau tour de vis au Cambodge, les autorités ont interdit samedi jusqu'à nouvel ordre les manifestations de l'opposition. Ces partisans, rassemblés depuis décembre dans un parc de Phnom Penh pour réclamer de nouvelles élections, ont été évacués par la police anti-émeute. Cette intervention survient au lendemain d'une manifestation d'ouvriers du textile sur laquelle la police avait ouvert le feu, faisant au moins 3 morts. Un des leaders de la contestation politique estime qu'il s'agit là d'une tentative inacceptable de briser le mouvement ouvrier et l'opposition à laquelle les ouvriers du textile se sont récemment ralliés. Le navire chinois qui avait volé au secours du Cholski et de ses passagers piégés dans les glaces de l'Antarctique est à son tour bloqué. Son équipage a toutefois fait savoir qu'il ne souffrait d'aucune avarie, qu'il était en sécurité et qu'il ne requérait aucune assistance. Le Dragon des Neiges, qui possède un hélicoptère, avait permis l'évacuation jeudi de 52 personnes coincées à bord d'un navire russe depuis le 24 décembre.
Retour en Côte d'Ivoire pour parler sport. Nous vous proposons un bilan des grands rendez-vous qui ont marqué l'année 2013. 2013 s'achève. 2013 est ce 13 que les superstitieux considèrent comme source de malheur. Des superstitieux confortés dans leurs croyances très tôt en début d'année par les prestations approximatives des éléphants footballeurs et leur élimination en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Là s'arrête le malheur car 2013 finalement a été un bon cru. Les cadets footballeurs vengent leurs aînés dans la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie en battant par deux fois le Nigeria, d'abord en poule et ensuite en finale, et en remportant la CAN au Maroc. 6 mois plus tard, avec leur coach Camara Ibrahim, ils confirment à la Coupe du Monde aux Émirats Arabes Unis en atteignant les quarts de finale. 2013 et son Afro-Basket à Abidjan. Pendant 10 jours, du 20 au 31 août, les Ivoiriens vibrent au rythme des rencontres de la Côte d'Ivoire, mais aussi des autres pays, comme l'Angola, futur vainqueur. Bien qu'éliminés en demi-finale, nos basketteurs ont montré qu'il y a de la qualité à entretenir. Que dire alors des éléphants taekwondoïnes lors de la première Coupe du Monde organisée en Afrique, à Abidjan? Seydou Gbané, Bagui Ruth, Georges Kobenan, Anissé Kassi, Ndrina Dey, Sita Sanogo et leurs amis ont étalé à la face du monde la vitalité du taekwondo ivoirien. Médaille d'argent chez les hommes, médaille de bronze chez les dames. Chapeau bas à la fédération et à son président Bamba Cheikh Daniel pour la parfaite organisation de cette Coupe du Monde. Mais la grande satisfaction de 2013 assurément, c'est de la dame sourire très rapide. Et Muriel Aouré fait la course de sa vie pour arracher la deuxième place. Muriel Aouré, notre Mumu national, a raflé 2 médailles d'argent au championnat du monde d'athlétisme à Moscou. La Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, se met à rêver d'or aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Comme l'année dernière, l'édition 2013 de notre dictionnaire, le Petit Zama illustré, a enregistré de nouvelles expressions comme patte de gerboise, concentré comme un charmeur de serpent, jouer les Denis Tounouna, mais c'est sur les réseaux sociaux que les sportifs se sont défoulés. Voici en exclusivité le médicament qu'ils prescrivent à tous contre le fameux goumen-goumen, les palpitations que nous donnent les éléphants footballeurs. Bonne année 2014. Accidents, incendies et autres sinistres surviennent régulièrement dans le pays et les réponses ne sont pas toujours adaptées. Quelles solutions pour arriver à gérer au mieux ces situations de crise? La réponse dans ce reportage signé Francis Boifo. En Côte d'Ivoire, 6000 accidents de la route sont enregistrés par an avec 600 personnes tuées et 11 000 blessés selon l'Office de sécurité routière OSER. À côté de ce tableau sombre, on note plusieurs incendies d'infrastructures publiques et privées dus pour l'essentiel à des branchements anarchiques, à la vétusté des installations techniques et à la négligence de l'homme. Un autre problème tout aussi préoccupant que les deux premiers, les inondations et éboulements de terrain pendant les saisons de pluie. Autant de difficultés auxquelles l'ONG, la Famille pour les enfants de grâce, la FED, a décidé de s'attaquer. Les responsables de cette structure pense qu'au moment où la Côte d'Ivoire se prépare à être pays émergent dans 6 ans, l'élaboration d'un plan d'urgence de secours, des infrastructures publiques et privées de secours est nécessaire. Parce que, selon l'ONG La FED, les infrastructures de secours de l'État, à savoir l'Office national de la protection civile, les structures sanitaires, les casernes des sapeurs-pompiers militaires, les brigades de gendarmerie et commissariats de police, ne peuvent pas, à elles seules, faire face dans l'immédiat à tout ce qui pourrait brusquement perturber le bon fonctionnement de l'État. Que faire donc dans ce cas?
Les responsables de l'ONG La Famille pour les Enfants de Grâce, la FED, ont sans doute la solution. Et justement, nous sommes avec M. Mont Michel, responsable de cette organisation non gouvernementale. Bonjour M. Mont. Bonjour madame. Vous êtes psychologue, président d'ONG et vous œuvrez dans le domaine de la sécurité civile. Exactement. Nous allons parler de plans d'urgence de secours, des infrastructures publiques et privées. Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par plan d'urgence de secours? Merci. On entend par plan d'urgence de secours ou plan catastrophe des dispositifs qui prévoient l'organisation des secours en cas d'urgence pour faire face ici à des événements qui perturbent la vie ou la santé des populations ou qui mettent en péril ici l'intégrité des biens. Alors en Côte d'Ivoire, quelle est l'autorité compétente pour mettre en place ce genre de plan de secours? Et conformément au décret 2005-263 du 21 juillet 2005, c'est le ministère de l'Intérieur qui est l'autorité de tutelle. Et la structure technique ici, qui est l'ONPC, Office National de la Protection Civile. Et est-ce que ces plans de secours existent en ce moment dans le pays? Malheureusement, il faut dire qu'il y a des insuffisances. Il y a toutes les structures, l'État a prévu les lois, les tests, mais il faut accompagner. Et il n'existe pas de plan de secours. Mais qu'est-ce qu'il faut justement pour accompagner, pour que ces plans-là soient effectifs? Bon, d'abord, il faut donner une information générale à la population. Pour accompagner ces genres de mesures, d'abord, on va parler de ce qu'on appelle la protection civile. Oui. C'est par manque d'informations, et les gens n'arrivent pas à donner la facilité aux acteurs, réels acteurs ici, de participer à la protection civile. D'abord, la protection civile, c'est l'ensemble des missions de secours et d'assistance aux populations civiles. Ces missions d'assistance sont organisées par deux entités différentes, complémentaires, et qui travaillent de façon concomitante. Notamment, les services publics de sécurité civile, notamment les services de la gendarmerie, de la police, la douane, GSPM et autres, et les associations de secourisme ou associations de protection civile. De façon concomitante, ces deux structures ici doivent travailler ensemble pour protéger les populations, car la protection civile n'est pas une mission régalienne de l'État. Alors ces associations, ces organisations qui interviennent dans ce domaine-là, quelles sont leurs compétences réelles? Malheureusement, juridiquement parlant, il n'existe même pas. Il n'y a qu'une ou deux seulement qui existent juridiquement, officiellement. Et encore, il y a des blocages. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Partout dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle des associations départementales de la protection civile. À côté des associations internationales ou nationales de secourisme, dans chaque département, il faut mettre en place ici des associations de protection civile. Conformément à la loi 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Et vous savez, une association de secourisme comme de protection civile ici, c'est une association qui a un caractère d'utilité publique, car c'est une action humanitaire. Il faut encourager que les jeunes gens s'organisent pour organiser le secours dans les communes et dans les départements. Mais justement, il y a des jeunes gens qui sont formés par l'ONPC à cet égard-là. Et qu'est-ce qu'ils deviennent après ces formations? Malheureusement, l'ONPC a pour mission de former, oui. Mais n'a pas la mission de reclasser ces personnes. Donc il appartient à ces jeunes de s'organiser en association, déposer les documents au niveau de la préfecture où il doit exercer, et après agrément, il faut signer une convention avec le préfet du département. Vous savez, en matière de secours, il y a deux autorités compétentes, techniques. L'ONPC a pour mission essentielle ici de promouvoir la politique nationale de la protection civile. Et au plan local, l'action est exécutée par les préfets et les maires qui sont des représentants de l'État, qui ont pour mission essentielle ici, dans leur mission de police générale ici, d'exécuter la protection civile. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'État a mis à leur disposition des services publics de sécurité civile, notamment les services de police, de gendarmerie, de douane, la santé publique, la justice et autres. Mais dans cette politique nationale de protection civile, est-ce qu'il n'y a rien de prévu pour réinsérer ces jeunes afin de les rendre utiles? Justement, c'est la bataille maintenant parce qu'il faut créer l'espace, il faut créer une plateforme, il faut créer une occasion pour que ces jeunes s'expriment. Il faut autoriser ces jeunes à pouvoir s'organiser dans les communes, dans les départements, partout dans le monde entier. Vous savez,
il y a ce qu'on appelle des associations qui sont agréées dans les communes comme dans les départements. Toute manifestation, que ce soit culturelle, festive ou sportive, il faut des associations pour assurer la couverture sanitaire. Et il faut aussi une convention. Entre les organisateurs, il y a une convention cadre, entre les organisateurs des spectacles et les associations de secourisme. Et le maire et puis le commissaire de police de la localité valident cette convention avant de mener une action dans une commune. Ce n'est pas fait. Alors, il faut vulgariser cela. En plus, vous savez, le service de protection civile ici se dote ici d'un centre de secours. Le centre de secours ici dispose de deux services. Il y a un service de sauvetage ou sécurité incendie et un service sanitaire de secours médical. Et tous ces services sont placés sous l'autorité du ministère de l'Intérieur qui gère la protection civile. Et quelles sont donc les circonstances qui peuvent faire qu'on a besoin de mettre en place un plan d'urgence de secours? Oui, il faut que... quand on appelle plan d'urgence de secours, comme j'avais dit tout à l'heure, oui, c'est un dispositif, c'est comme un plan d'action. Il faut recenser les risques, mettre en place un plan. Maintenant, c'est en cas de situation d'urgence, le plan est déclenché par le préfet. Quand il y a plan hors sec, plan rouge, plan d'urgence, c'est le préfet seul qui est compétent, qui déclenche le plan. Mais qu'est-ce qu'on appelle situation d'urgence? Une situation d'urgence, c'est un événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner ici des conséquences dommageables pour la vie sociale, telles que les troubles graves ici, la sécurité publique, les menaces graves contre la santé ou la vie des populations, ou contre les intérêts matériels importants. Voilà, dans ce genre de circonstances ici, l'État peut déclencher le plan rouge, le plan hors sec ou le plan blanc. En cas d'incendie, par exemple, dans un marché, comme on a pu le voir ces derniers temps, qu'est-ce qui est fait? Malheureusement, quand il y a des incendies, s'il y avait des associations dans tous les quartiers, on pouvait canaliser facilement. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, il faut encourager les communes qui ont le devoir, les maires qui ont le devoir ici, d'agréer ces associations, pour faciliter l'agrément de ces associations. Vous savez, il y a une loi en Côte d'Ivoire qui dit que les mairies, comme les collectivités territoriales, doivent prendre en charge ici la protection civile et se doter des centres de secours. Mais pour des contraintes budgétaires, il faut encourager que ces jeunes s'organisent en association. Vous savez, les matériels de secours sont excessivement chers. Donc, entre les ONG et organisations humanitaires extérieures, nous pouvons bénéficier des dons d'équipement. Nous pouvons mettre à disposition de l'État pour appuyer l'État. Donc, il faut encourager ces gens d'initiatives. Lorsqu'un marché doit prendre feu, il faut d'abord mettre en place dans une commune ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde. Chaque maire doit se doter d'un plan communal de sauvegarde. Comment ça se passe? Il faut recenser tous les risques dans tous les quartiers, même dans les marchés. Mais si ce n'est pas recensé, on ne connaît pas, lorsqu'il y a sinistre, on couvre les pompiers. En fait, les pompiers, ce n'est pas leur rôle. Les pompiers, ils font le travail, c'est pour se préparer lorsqu'il y a un événement, il y a la guerre, comment prendre un soldat blessé, comment éteindre le feu. Mais est-ce à dire que ce sont alors les organisations non gouvernementales ou bien les associations qui ont à charge de gérer ces risques-là? Mais vous savez, je vous fais un peu l'histoire. Et même la France, qui nous a colonisés, s'est dotée d'un service de secours incendie depuis 1716. Et c'est les sapeurs-pompiers civils. Ce n'est qu'en 1811 que Napoléon Ier a militarisé ce corps. En France aujourd'hui, il n'y a que deux villes, Paris et Marseille, où il y a les pompiers militaires. Dans toutes les villes de la France, c'est les pompiers civils. En Côte d'Ivoire, avant les indépendances, lorsque les colons étaient venus en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les civils pour les former. Pour ne pas que la maison prenne feu, ils ont formé ces civils. Et ces civils étaient les pompiers comme les volontaires communaux. Ce n'est qu'en 1961, après l'indépendance, que l'État a mis en place, qu'est-ce qu'on appelle, un service national de la protection civile. Mais de 61, la fin de 1914 maintenant, pour militariser ce corps, lorsque le taux d'accident était très élevé en Côte d'Ivoire, l'État a toujours dû prendre une décision pour créer ce corps, pour militariser ce corps. Logiquement, c'est les civils qui ont en charge ici d'organiser le secours dans les quartiers, dans les communes, partout. Et les pompiers militaires, c'est une activité de routine, viennent maintenant en appui, c'est tout. D'accord. Et si on prend les cas d'accidents graves, des accidents de la circulation, comme on a pu en voir sur la nouvelle autoroute Abidjan-Yamoussoukro, qu'est-ce qui doit être fait? Quel est le plan d'urgence à mettre en place? Est-ce que là aussi, ce sont des civils ou bien il y a des organisations spécialisées pour réagir? Non, logiquement, quand on dit protection civile, il s'agit des civils. Oui. Ça, c'est une action des civils. Et une action des civils pour les civils? Si, si. L'État coordonne. Mm-hmm. L'État est l'autorité. L'État est garant de la vie des populations. Mais comme il s'agit de la protection civile,
les civils doivent vraiment prendre le devant. L'État, c'est nous, c'est tout le monde. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un vide juridique qu'il faut mettre en place. Il n'y a pas d'observatoire national de secourisme. Ça, c'est le rôle de l'État. Il faut mettre en place un observatoire national de secourisme. C'est un pouvoir juridique qu'on donne au préfet et au maire de pouvoir organiser le secours dans les départements comme dans les communes. Les services publics de l'État chargés de la sécurité civile ont trois missions essentielles. Première mission, c'est la préparation et la gestion des plans de secours. Deuxième mission, c'est l'organisation ici des examens de secours. Et troisième mission ici, c'est la préparation et la validation des dispositifs de secours lors de grandes manifestations. Maintenant, quant aux associations de secourisme ou de protection civile ici, c'est pour créer l'auto-emploi jeune, réduire les dépenses de l'État et réduire l'effectif des fonctionnaires qui peuvent être commis à la tâche, notamment en ce qui concerne ici la protection civile. Maintenant, il faut valoriser ou bien il faut promouvoir ici ce qu'on appelle les sociétés d'ambulance. Vous savez comme moi, il y a partout on est de France, on voit les véhicules qui sont là. Oui. Mais il suffit d'encourager partout en Europe, en Amérique et partout, il y a les sociétés d'ambulance. Donc il suffit que des opérateurs économiques prennent ces véhicules et transforment ces véhicules en évacuation sanitaire, en structure d'évacuation sanitaire. C'est ce qu'il faut faire. Et les associations dans tous les quartiers, dans tous les villages, dans tous les endroits par exemple, peuvent canaliser facilement les accidents. Si ce n'est pas fait, on entend l'État, c'est impossible. L'État seul ne peut rien faire. Et après ces accidents-là, qui prend en charge les victimes? Vous savez, si je me réfère à la loi, notamment au code des assurances, code CIMA, l'article 200 du code CIMA dit clairement que tout propriétaire de véhicules autre que l'État doit disposer ici ce qu'on appelle ici une police d'assurance automobile. Et pourquoi? Tout simplement pour garantir des risques. L'article 231 du code CIMA dit encore que lorsqu'il y a accident, on doit pouvoir prendre en charge les victimes. Comment ça se passe? L'assureur du véhicule assuré a obligation de garantir le risque. Il a 12 mois de pouvoir faire l'offre de transaction ou d'indemnisation. Passé les 12 mois, il n'a pas d'endommagement à l'amiable, la victime peut porter plainte directement au parquet. Quand c'est une victime qui est décédée, c'est 8 mois du décès. Même l'assurance va plus loin, le code de CIMA va plus loin. Il y a une provision, l'offre de provision. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire une fois une victime vient faire un accident, elle n'a pas les moyens, l'assurance peut donner les moyens nécessaires que la personne se prenne en charge. Les gens ne savent pas, les gens ne sont pas informés. Ça, c'est l'alinéa 3, le même article 231 du code CIMA qui le dit. Même les hôpitaux, c'est dommage qu'on envoie un accidenté dans un hôpital et on demande d'abord que la personne paye les médicaments. La personne qui est traumatisée et qui n'a même pas les moyens, qui n'a pas prévu que l'accident se produise, et qu'il n'a même pas de parents à côté, on demande que la personne ait les moyens. Pourtant, la loi prévoit clairement que une fois la personne est prise en charge, tous les frais médicaux sont remboursés à 100% par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Et si on prend le cas où le véhicule n'est pas assuré, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, la loi a tout prévu. Il y a ce qu'on appelle le fonds de garantie automobile, notamment l'alinéa 5, l'article 274 du code CIMA, qui dit clairement tout véhicule non immatriculé ou n'étant pas muni d'une police d'assurance ici, c'est le fonds de garantie automobile qui prend en charge toutes les victimes. Donc le fonds est là, le fonds existe, personne ne sait. Et le fonds est constitué de cotisations de toutes les assurances. Chaque mois, chaque moment, tous les fonds sont réunis là. Et bon, sans trop parler, en 2009, une rencontre a été organisée au cabinet du ministre des Affaires sociales. Nous avons demandé de mettre en place ce fonds. Et ce fonds existe actuellement. Donc, quelles sont les actions à mettre en place pour vulgariser toutes ces possibilités qui existent mais qui ne sont pas connues? Oui, il y a un problème fondamental qu'il faut résoudre d'abord. Lorsque un accidenté va vers l'assurance, l'assurance fait tourner ses derniers en rond. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de chambre de sinistre au niveau des tribunaux. C'est une clémence, c'est une doléance, c'est un plaidoyer pour que le ministère de la Justice crée une chambre de sinistre spéciale au niveau des tribunaux. Comme le juge des enfants, il faut qu'il y ait un juge qui se charge des dossiers de sinistre. Parce qu'un magistrat gère tous les dossiers à la fois, mais il gère ce qui l'intéresse. Voilà le problème. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, je disais qu'il faut combler le vide juridique. Il faut que l'État mette en place ici un observatoire national de secourisme pour donner plein pouvoir aux préfets et aux maires de pouvoir organiser le secours ou animer la sécurité civile dans leur département. En plus, il faut vulgariser les associations de protection civile dans toutes les localités possibles. Il faut promouvoir des sociétés d'ambulance comme les sociétés de remorque et de dégagement.
Il faut promouvoir. Maintenant, ce n'est pas n'importe qui peut être ambulancier. Et c'est celui qui a un permis, on le prend pour un ambulancier, ce n'est pas normal. On donne un diplôme d'État à un ambulancier. Une personne qui souffre d'insuffisance rénale, une personne qui vient d'un accident de la circulation et qui présente des fractures au niveau du cou, la tête, en transportant la victime, si la personne est mal transportée, effectivement, la victime va mourir en route. Non, la personne est décédée en route. Pourtant, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Et c'est ce qu'on appelle le CCA. C'est un certificat de capacité d'ambulancier. Ça, c'est le rôle de l'OSER en principe. L'OSER doit pouvoir former des ambulanciers et délivrer les diplômes. Mais monsieur Moi, nous allons alors retenir que les grandes actions à mettre en place, il y a la sensibilisation, il y a des actions juridiques et puis il y a la formation aussi de toutes ces personnes qui doivent rentrer dans le cadre de la mise en place de ces plans de secours. Effectivement, la formation est le point focal. L'OMPC forme, c'est normal. Et les ONG, les associations de secourisme doivent former. Ça, c'est leur première mission. C'est la formation au secourisme. Et en plus, la couverture des manifestations. En plus, il faut participer aux opérations de secours. Voici les grandes activités. Mais je dis toujours, le problème le plus crucial, c'est les dispositions juridiques. Il faudrait que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Constitution mettent en place ici un dispositif, un arrêté conjoint pour imposer aux propriétaires ou aux demandeurs d'autorisation de construire d'avoir désormais une police d'assurance multi-risque habitation. Parce que lorsqu'il y a un incendie, une famille qui a eu à cotiser de l'argent, a épargné de l'argent et qui a la retraite, d'un coup, la maison prend feu. Qui va assurer? C'est les assurances, mais la maison n'est pas assurée. D'accord, M. Mont, l'appel est donc lancé. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour tous ces éclaircissements que vous nous avez apportés. Je rappelle que, M. Mont, vous êtes psychologue, président d'ONG dans le domaine de la sécurité civile. Le magazine du dimanche est terminé, le journal aussi. Merci de nous avoir suivis et très bon dimanche à vous sur RTI 1.